Un message, commandant. Oh, surprise! L'Alliance a encore besoin de vous. Shepard, ici l'amiral Hackett. Je suis avec le commandant de l'Alliance. Nous avons une mission à vous confier. Le colonel Kyle, un officier de l'Alliance, a fondé une petite communauté dans le secteur Hawking Eta. Il a rassemblé autour de lui un certain nombre de fidèles, principalement des biotiques. C'est devenu un détracteur virulent de l'Alliance. Nous pensons qu'il est mentalement instable. Kyle pourrait nous causer de graves problèmes, Shepard. Ce qui nous prouve que le colonel est dangereux. Il y a 3 jours, nous avons envoyé 2 représentants de l'Alliance à son complexe. Depuis, pas de nouvelles. Nous pensons que Kyle et sa clique les ont tués. Ce complexe est une secte, Shepard. Kyle se fait appeler Père Kyle par ses fidèles. Il s'est imposé comme une sorte de leader religieux. Vous dites que ses fidèles sont des biotiques. C'est exact. Le colonel Kyle lui-même n'a jamais présenté d'inclination biotique. Je pense qu'il s'est juste attaché à un groupe avec lequel il s'identifie. De nombreux biotiques se sentent marginalisés ou exclus par la société. Kyle les voit sûrement comme des victimes qui ont besoin de sa protection, et eux voient en lui un protecteur qui se bat pour eux. Malheureusement, il a réussi à les convaincre que l'Alliance est responsable de tous leurs problèmes. On ne peut pas le laisser continuer. De quoi les représentants de l'Alliance comptaient-ils lui parler? Ils devaient le ramener dans une infrastructure de l'Alliance pour suivi psychologique. Le colonel Kyle nous a servi avec dévouement pendant de nombreuses années. Nous ne comptions pas l'abandonner. Toutefois, étant donné son état mental, il les a probablement vus comme une menace. Nous sommes quasiment sûrs qu'il a ordonné à ses fidèles de les tuer. Pouvez-vous me dire d'autre sur le colonel Kyle? C'était un soldat modèle, mais Torfan l'a changé. Trop d'hommes sont morts sous ses ordres. La culpabilité a commencé à le ronger. Ses évaluations psychologiques ont démontré qu'il n'était plus en mesure de supporter le stress du commandement. On lui a donné une retraite anticipée avec les honneurs. Nous pensions qu'il finirait par s'en remettre, mais c'était sous-estimer la gravité de son traumatisme. Et maintenant, c'est trop tard. Je peux peut-être résoudre cette affaire sans violence. Vous avez été sous ses ordres, il vous écoutera peut-être, mais il a déjà tué 2 enquêteurs de l'Alliance. Je compte sur vous pour prendre les décisions qui s'imposent. Hackett, terminé.
Le sanctuaire est un lieu privé. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici. Je dois parler à votre chef, c'est important. Le père Kyle ne veut plus avoir affaire à l'Alliance. Je préférerais qu'on règle ça pacifiquement, mais s'il ne veut pas me voir, il risque d'y avoir du grabuge. Nous ne vous laisserons pas emmener le père Kyle! Il nous protège! On a besoin de lui! L'Alliance cherche un bouc émissaire. Laissez-moi parler au colonel Kyle, et peut-être que j'arriverai à vous sauver la mise. Attendez. Le père Kyle accepte de vous voir. Il se trouve dans le bâtiment au fond du complexe. Je suis le colonel Kyle. Je sais pourquoi vous êtes ici, mais nous ne sommes pas ennemis. Laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce qui est arrivé aux officiers de l'Alliance? Ceux qui sont venus avant moi? Ils voulaient me faire quitter cet endroit, abandonner ma famille. Ils blasphémaient. J'ai fait mon possible pour que leur fin soit rapide et sans douleur. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je protège mes enfants. Je suis le seul à pouvoir veiller sur eux. L'Alliance m'envoie vous ramener à la raison, colonel. Vous ne voyez pas que vous avez dépassé les bornes, que vous risquez la vie de vos fidèles? Je vous sais gré d'être venu en paix, mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Mes enfants seront désemparés si vous leur enlevez leur père. C'est vous qui avez ordonné à vos fidèles de tuer les enquêteurs, à vous d'en assumer les conséquences. Vous voulez que vos enfants paient aussi pour vos fautes? Non, c'était ma faute. Mes enfants sont purs et innocents. Pitié! Je ne voulais pas en arriver là. Je suis désolé. Vous prenez la bonne décision pour vous et vos enfants, colonel. Suivez-moi. Un instant. Si mes enfants me voient partir sous votre escorte, ils ne comprendront pas. Ils attaqueront, et vous devrez tous les tuer.
Vous m'avez fait prendre conscience de mes erreurs, commandant. Mais j'ai besoin de temps pour tout leur expliquer. C'est le seul moyen pour qu'ils comprennent. S'il vous plaît, donnez-moi une heure. Ensuite, je me rendrai à l'Alliance sans résister. Je vous en donne ma parole. Je vais vous faire confiance. Mais si vous me trahissez, vos enfants et vous allez le payer au prix fort. Je ne vous trahirai pas, commandant. Merci. Joker peut envoyer la 5e flotte extraire Kyle. J'espère que vous savez ce que vous faites, commandant. Réception d'un message, je transfère. Commandant, ici l'amiral Hackett. Votre navigateur vient de nous faire parvenir votre rapport sur le colonel Kyle. Nous avons envoyé une patrouille, comme vous l'avez demandé. Les fidèles de Kyle se sont dispersés et le colonel s'est rendu sans histoire. Il sera interné dans un de nos meilleurs hôpitaux. Je pensais que cette affaire allait finir en bain de sang, à coup sûr. Je ne sais pas comment vous avez fait, commandant, mais vous avez sauvé de nombreuses vies. Félicitations.